putain. Attends, attends. Ah mais. Ah oui, champion! Un champion! Mais parce qu'il a enlevé ses putains de chaussures! Il a le seum, je crois! Oh! Oh, let's go! Laura! Incroyable! Bravo! Oh, mais let's go! Oh, bon, il y a un orque dans l'eau! Mais c'est quoi ce bordel? Excusez-moi, on peut faire quelque chose? Oh merde! Il y a un danger. Oh merde! Police, écartez-vous et attention! Tourne donc. J'ai un mauvais dit, mon joli. Je regarde pas, je vous jure. Ouais, ça, c'est vrai que c'était plus intime avant quand même. Ils l'ont planté. Edward. Non. Non. Dans le bar. Oh, les chargeurs qui me suivent là. Voilà, Moïse. Géise. Géise. Mozu. 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 Mozu, mon petit. Vas-y, tu ponctons. Je ponctonte. Allez, c'est parce que je suis au téléphone. Bip, tu raccroches. Non, c'est bon, c'est Gigi et Luana. Bip, bip. Je suis entourée de femmes très sexy là. Je suis très. Je suis. Ouais, tout à fait. Voilà, juste des choses. Au revoir, Harry, je suis désolée. Allez. Vous êtes madame ? June. June, c'est un très joli prénom ça. Merci, c'est gentil. J'allais et vous êtes. Vous êtes qui vous ? Pardon, c'est pas ça. Vous êtes qui Kim. Vous êtes qui vous ? Ça fait mal à l'ego, on non l'avait... Oh, on me l'avait jamais fait celle-là. Ah oui, ouais. Vous êtes qui vous ? C'est drôle de dire ça comme ça. Ah oui, je. Ouais. Ah voilà. Oui, je confirme, c'est très drôle. Maintenant, une information devenue presque banale à Los Santos. La semaine dernière, un meurtre a eu lieu au Paradise. Cependant, ce meurtre s'est déroulé devant plusieurs clients, tétanisés par la violence de la scène, se déroulant devant leurs yeux. Les règlements de compte doivent-ils vraiment se dérouler en public et impliquer des citoyens n'ayant rien demandé? Nous envoyons tout notre soutien aux familles de la victime ainsi qu'aux malheureux témoins de la scène. Eh bien, d'accord. C'est une blague. Il y a un problème. Ouais, c'est une blague. Quoi, y'a un problème? Il a dit fuck me, ça ouf lui! Ah bah hop! Allez, ça dégage! Hey cabron! Ah non! Ah mais c'est une blague! Allez! Waouh! Comme les. Putain, mais les ils ont déjà. Camembert confiture, c'est très bon aussi! Allez, hein! Allô. Ouais, on va se mettre ailleurs! Elle est vraiment bien la Shinko Mila. Hein. Elle accroche bien. Dit-elle en ayant un accident. Oui, ça dépend de la pénétration aussi. Parce que c'est si toujours la pénétration en âme, il y aura des tensions avec. Hein, oh, vous préférez les copeaux avec un doigt ou deux doigts? Mais tu as compris, moi? Qu'est-ce que vous a dit, Lumber? Vous voulez ta glace, moi? Vous voulez goûter la glace? Moi, j'ai pas compris. Ah, mais c'est quoi cette soirée, là? Oh non, ne me demandez pas de choisir. Oh, pardon. C'est une blague. T'as failli m'écraser, là. Non, j'ai pas failli t'écraser.
Si je reconnais, il a failli l'écraser. Super. Vas-y, monte. Bah ça va, Luana. Ça va. Quoi, ça va? Bah ça va. Bon après c'est mieux quand même, Luana Oliveira. Skyler Lundberg aussi c'est pas mal hein. Super, alors. Je vais prendre un râteau. Attendez, vous permettez. Ah putain. Non. Oh allez, salut. Hein. Mais on est bloqué. Mais on est bloqué. Eh, c'est beau, j'ai pas vraiment essayé de te ramener dans mon pieu, je te rappelle. Hein. C'est une blague. Non, non. C'est une blague. Mais t'as été proposé. Assez clair, quand est-ce même. Que j'ai... Non, mais j'ai proposé, mais est-ce que j'ai vraiment cherché à... J'ai proposé une fois, voilà, après voilà. Le tout, c'est de savoir le faire au bon moment. C'est tout. Moi, mon timing était opportun. Elle se séparait de son ex, je proposais une bite sur laquelle s'essuyer. Nickel. Oh. Salut. Bonsoir, bonsoir. Très content que vous soyez inscrit au stage d'initiation au LSPD. Vas-y, accélérez le rythme un peu parce que ça nous colle au cul. J'espère que vous allez apprendre de belles choses dans notre joli service. J'espère aussi. Hein. Et que ça va vous débloquer des carrières. Ah, vous savez, avant d'être officier de police, j'étais conducteur de poids lourd. Et puis officier dans une chaîne de fast-food extrêmement connue. Ça m'a appris la discipline. Ça m'a appris à suivre la ligne. Ça m'a appris à respecter des règles. Ça m'a appris plein de choses. Alors j'espère que vous aussi vous allez apprendre plein de choses, les gars. Et là, c'est un peu comme une consécration pour moi, tu vois. J'ai perdu un peu. Mais c'est déjà bien, hein. C'était pas mal du tout, ouais. J'ai perdu le. Attends, le rigu, attends, viens, le fais genre, je t'abats pour faire du jambon, t'es prêt? Ça lui a fait le bruit aigu à la fin de... Attends. Bah, putain, il y a Côte de Bœuf qui est dans la cuisine. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Oui, oui. Les côtes, belles Côtes de Bœuf de madame. On a foutre, il fait ce qu'il veut. C'est une blague. J'ai pas les photos de lui dedans. Oui, oui, bien sûr. Mais je veux pas ça, moi. Déjà les embrouilles, comme ça je la récupère. Nickel. Il a dit quoi, le con? Qui se passe comme le plat. Ouais, c'est terrible. Attends. Non, mais tente. Ah. Elle est pas énorme, la piscine. Oh non! Oh non, putain! J'ai appuyé sur ton buteur. What? C'est quoi ce délire? On m'a volé ma pioche, chérie. Mais c'est une blague. Oh super. Ah bah oui, vous avez été prévenu pourtant. Oh merde. Oh non non, mais pire que des mecs, merde. Ah bah oui, bah oui. Putain.
Et puis en moto, avec une moustique, ça va. Accrochez-vous. Hein. Avec un peu de chance, Francis a peut-être des vêtements de ton ex-femme. Mais vous aussi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que t'as des vêtements de ton ex-femme à lui prêter là? Oui, ouais, bon, ouais, venez, venez, venez. Oui, c'est gentil, ouais, merci. Pour une dame. Ouais, elle n'est pas restée comme ça. Là, c'est... Ah oui, ouais. C'était quoi ça? Qu'est-ce que c'était? Il faut les faire chanter, sans les musiques. Faut les faire, on les fait nous-mêmes les musiques, nous. Hein. Ah oui. C'est un truc des années 80, mais à capella. Ça, voilà. Ouais. Lami, 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 Gabi, 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 Gabi. L'ami, l'ami, l'ami des tout petits. Et tourne les boutons trop. Et j'ai chanté des chansons. Ma si tu es triste, que tu as un gros chagrin, ma tu sais qu'il existe chez les petits malins. Un ours aimable, gentil et câlin. Ma si tu me prêtais ton cartable, j'irai à l'école demain matin avec les goûters. Ah oui, c'est impressionnant. Voilà. Ah oui, oui. Et moi, je te l'ai fait, hein, moi, il n'y a pas de problème. On remplit la salle. Hein. Est-ce que là, c'est bien? Oh putain! Ah, je vous avais dit que j'étais sourde, merde! Ah oui, oui. Ça fait 20 minutes qu'il me fait ça. Est-ce que là c'est mieux là? Ouais. Oh, c'est mieux là, il pleure. Où est-ce que tu mets tes mains? Aïe. Mais comment ça? Où est-ce que tu mets tes mains? À la morgue. Sur ton cul. À la morgue. À la morgue. À la morgue. La morgue. La morgue. Morgue. Les morgues, ben la morgue. Non, faut demander où est-ce que t'as l'habitude. Je comprends pas ta question. Les morges, elle est où? Bah, la morgue. Où est-ce que t'as l'habitude de les mettre? Comment ça? Bah, je sais pas, on a une discussion devant le BCMS. Dans quel trou? De quoi? C'est bizarre ta question. Rappelle-moi quand t'es pas bourré. Hein. Mais je suis pas bourré. C'est Pop. C'est Pop qui fout la merde. C'est Pop qui fout la merde, voilà. Mais non, mais je parlais à ta compagne. Elle a dit que t'avais l'habitude de foutre tes mains. Elle voulait pas nous dire où, parce qu'elle avait peur qu'on soit choqués. Ah, mes mains! Oui, tes mains, t'as compris quoi, bordel? J'ai compris mes morts, moi, depuis tout à l'heure. Il a compris ses morts, bordel, à l'aide. Oui, dans un trou, dans une morgue. Ah oui, c'est tout de suite plus. Ah, la conversation! Je comprends mieux la morgue, du coup. Ah ouais, je comprends que ça n'avait pas de sens, mais je me disais, si, il va être d'accord. J'ai pas envie. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Ah, tu vois, c'est quoi cette merde? Je vais finir par y arriver. La vraie, je m'attendais pas à vous voir arriver en fait. Et malgré toutes les tentatives de réanimation qu'on a pu tenter, j'ai malheureusement. Je suis dans le. Je trouve pas les mots. Je me vois dans l'obligation de vous annoncer que monsieur Lundberg est décédé à la suite de son accident. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Ok. D'accord, merci. Il est pas des MK2? J'ai pas. Peut-être qu'il est encore à la porte. J'ai pas fait gaffe, je vous le ramènerai au pire. D'accord, ça marche. Bon, bah écoutez, passez une bonne journée. Oui, merci, oui. Ouais. Et agréable soirée, mais. Ouais. Oui, au revoir. Quel connard. J'ai besoin de souffler et de m'éloigner de tout. Ok, ça marche. Donc, je suis désolé hein, de vous laisser comme ça. Non, mais tu es la personne, bien que t'aies pas été patron longtemps, qui a fait le plus de choses pour le Paradise, en termes logistiques en tout cas. L'intranet et tout, les procédures en fait, tout simplement, en général. Je pense que tu es la personne, je connaissais pas les anciens propriétaires et tout, hein, mais qui a fait le plus pour le Paradise, sache-le.
Cette putain est grave mieux aussi. Oh, waouh. We can hide the truth inside. It could be wrong, but it should have been right. It could be wrong to let our hearts ignite. It could be wrong, are we digging a hole? It could be wrong, this is out of control. It could be wrong.